En tout cas, je te retrouve déjà. C'est pas mal. Alors, ouais, je vois. Ouais. Oui, je vois. Attends, il y a un décalage là. Alors là, j'ai coupé le son. OK. Alors maintenant, il faut que je fasse quoi? En bas, il y a écrit, ouais, partager, OK. Ouais. Alors, moi, j'ai une page perso. Donc, ça marche dans une page perso? Voilà. C'est bon? Parce que moi, j'ai partagé le public. Donc comme ça, tout le monde est bon. Ok, j'envoie aussi. Bon, je l'ai fait aussi et je fais le truc avec les trois petits points ou pas? C'est pas la peine, c'est bon là. Ok. Que penses-tu du plan de confinement? Non, de déconfinement, mais je comprends. Voilà. Oui, je vois, mais bon, on va. Je peux dire bonjour à tous, hein. Ouais. Non, mais dans le chat, je peux. Ouais. En fait, il y a un décalage entre ce qu'on se dit nous et ce qui apparaît du côté. Je vois bien là, je vois l'écart. Parce que il y a un...
Ouais. D'accord. Parce que tu as activé une fonction, comme quoi tout ce qu'on se dit, il y a un sous-titre, c'est ça? Ah, ok, parce qu'il y avait. Si, là, tout ce que je viens de dire, là, il y a eu un sous-titre. Donc les. Salut tout le monde, c'est Abdoulaye Adlocade. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette émission. Donc pour ma petite présentation, donc je suis chef de projet communication et marketing et community manager. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Mahmoud Raza Mahmoud Ali, serial entrepreneur, passionné entrepreneur. Mais d'abord, jingle. Voilà, donc comme on n'est pas mardi, aujourd'hui on est vendredi midi, c'est un format spécial Covid-19. Donc on va parler vraiment de crise économique, crise sanitaire et comment se préparer. Et donc évidemment, petit message de prévention par rapport aux gestes barrières. C'est parti! Et voilà, bienvenue dans cette émission. Donc ça y est, ça démarre. On va accueillir, comme prévu, notre invité du jour. Donc on va voir s'il nous entend bien. Donc il va venir dans quelques petites secondes. Et c'est parti, normalement là vous devez le voir. Et est-ce que tu m'entends, Mahmoud Raza? Oui, bonjour Abdoulad. Super. Donc là, tout le monde t'entend. Et donc, bah, si tu peux te présenter en quelques phrases pour les gens qui ne te connaissent pas, et puis pour les gens qui te connaissent, ça fera toujours plaisir. Alors déjà, bonjour à tous. C'est un vrai plaisir en fait d'être avec vous aujourd'hui. Et merci beaucoup Abdoulad de l'occasion que tu me donnes. Pour exprimer un petit peu les avis et puis donner quelques conseils par rapport à la crise. Donc, je suis Mahmoud Raza Mahmoud Ali. Je dirige à La Réunion quelques entreprises dans divers domaines d'activité et je suis plutôt orienté tout ce qui est nouvelles technologies, santé, start-up. Et puis j'aime beaucoup beaucoup notre territoire et donc comme on dit, mettre en avant la Réunion. Ça c'est ce qui me fait le plus plaisir. Super, merci Mahmoud Raza. Donc pour les gens qui nous regardent, Fabrice, John, Salima, Camille, Geneba, je vous invite tous à poser d'ores et déjà en fait vos questions sur la thématique du jour, donc qui est crise sanitaire, crise économique, comment se préparer. Comme ça, à la fin du live, on va traiter par ordre d'arrivée en fait tout simplement les questions et on prendra ce temps pour y répondre. Donc pour démarrer le sujet, donc le programme, je vous le montre maintenant. Donc en première partie, on va parler de la crise sanitaire, puisque ça nous concerne encore jusqu'au 11 mai. Et puis on va ensuite enchaîner sur la crise économique, comment ça se profile. Et puis Benjamin Lorazan nous expliquera en détail justement sa vision sur comment se préparer. Est-ce que tu es OK, Mahmoud Raza? Parfait, je suis avec Eh bien, vous. nickel. Donc, Mahmoud Raza, je te laisse beaucoup la parole dans cette émission spéciale, puisque, comme on a eu un échange juste avant, tu m'avais justement précisé que
tu avais eu pas mal de questions d'entrepreneurs qui venaient vers toi pour te poser des questions par rapport aux prêts, aux aides, etc. Et tu m'avais dit justement que ce sujet-là, il te parlait parce qu'en fait, tu avais beaucoup de demandes et on pensait tous les deux que les réponses que tu apportais à ces gens-là en one-to-one, ça pouvait répondre à beaucoup plus de gens. Donc justement, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur la crise sanitaire dans le premier temps? Alors, très très simplement, déjà, je pense qu'on on doit d'abord remercier tout le monde soignant parce que la crise sanitaire qu'on vit pour le moment, qui est toujours en cours, hein, même si les chiffres sont très bons à La Réunion on commence à s'améliorer au niveau national, la crise pandémie mondiale Covid-19 est en cours et effectivement les gens qui sont en première ligne ce sont les soignants donc une petite pensée pour eux. Deuxième point et ça rejoint en fait notre thématique du jour, c'est les entrepreneurs donc crise économique. Aujourd'hui on doit avoir aussi une pensée pour tous ces chefs d'entreprise, tous ces entrepreneurs, tous ces dirigeants de TPE, PME. Qui sont fortement impactés par cette crise parce qu'un arrêt aussi brutal, en tout cas récemment, n'a pas été connu. Même la crise de 2018 n'a pas entraîné un arrêt si brutal. Donc, il faut vraiment déjà être, en tout cas, avoir une pensée pour tout le monde. Je pense aussi aux salariés, même si dans notre territoire, on a quand même cette chance. La France est quand même un pays où le côté social est bien présent et les salariés, en tout cas, ont cette chance, même si on me dira que 84% de son salaire, ce n'est pas suffisant, je l'entends, mais on a cette chance d'avoir des dispositifs d'État qui sont assez solides dans notre pays, là où dans d'autres pays. Ça serait une situation plus dramatique. Donc, pensée globale. Deuxième chose très importante à mes yeux, c'est l'humilité vis-à-vis de cette situation. C'est une situation, alors limite, ça sera peut-être un petit coup de gueule. On voit partout, tout le temps, des gens dire, on aurait dû faire ça, on n'aurait pas dû faire ça, le gouvernement doit faire ça, les soignants doivent faire ça. Les entrepreneurs doivent faire ça. Les entrepreneurs sont profitent de la situation. Vous vendez si il faut pas vendre ça. Il faut offrir. Il n'y a pas de masque. Il n'y a pas de gel. Moi, je dis aujourd'hui notre objectif à tous, c'est de tenir, c'est de participer, en tout cas de vivre, pardon, de vivre cette situation qui est exceptionnelle. De façon très humble. Voilà. Moi, je trouve que donner des leçons alors que nous ne sommes pas forcément en responsabilité, c'est très malvenu. Ou alors critiquer ceux qui essayent de trouver des solutions et même les entrepreneurs qui essayent de trouver des solutions. On va dire oui, tel entrepreneur, il a fait ci, c'est pas normal. Pourquoi la grande distribution propose des masques, etc. Enfin, il y a effectivement plein de choses sur lesquelles on pourrait discuter. C'est très franco-français, les polémiques et les débats. Mais en même temps, voilà, l'idée, c'est pas de fermer les débats, mais en même temps, soyons très humbles vis-à-vis de la situation. Je pense que tout le monde essaye de faire quelque chose pour avancer, pour aider ou juguler cette crise sanitaire. Crise économique. Donc voilà un petit peu ce que je voulais introduire. Donc je ne sais pas, au niveau crise sanitaire, quels sont les éléments sur lesquels tu souhaites que j'avance, même si je ne suis pas, et je le dis clairement, même si dans mon profil il y a écrit penseur, j'ai vu qu'hier il y avait
une question par rapport à ce mot-là. Effectivement, j'ai une double casquette puisque j'ai un côté école de commerce, école de management, donc vraiment entrepreneuriat, business. Et de l'autre côté, j'ai eu la chance, et je dis bien la chance, de côtoyer, d'avoir côtoyé et d'être toujours en lien avec ce monde des soignants, puisque j'ai eu l'occasion effectivement de faire un cursus ambulancier, puis après infirmier. Voilà, donc ça me parle, ce côté soignant. Et c'est le mot penseur, ça veut juste dire infirmier. Voilà. C'est clair, le côté infirmier, le côté soignant, ça nous parle à tous les deux. Alors, du coup, pour démarrer par les questions, justement, parce que là, ça sera vraiment un débat avec les gens qui nous regardent. Je vois qu'il y a Teddy qui nous a rejoint, il y a Michael Rivière, Assad, Richard, Agnès, Laetitia. Merci à vous. Et justement, au-delà de regarder, n'hésitez pas à interagir, à poser vos questions. Je suis sûr que vous en avez. Donc, déjà, première question. De Salima, d'après vous, est-ce qu'on est prêt pour le déconfinement? Est-ce trop tôt ou pas? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis très humble. Je vais juste vous donner mon avis. Voilà. Les gens qui sont aujourd'hui aux responsabilités prennent leurs responsabilités en fonction des éléments, des données, des conseils qu'ils ont. Hein. On parle beaucoup du conseil scientifique, le professeur Delfrécy. Enfin, on a entendu beaucoup de noms. Et moi, ça sera juste mon avis. Voilà. Donc, moi, je pense, et je rejoins quand même, par mon côté entrepreneur, je rejoins quand même l'avis de Bruno Le Maire, qui est de dire, il faut que l'activité reprenne. Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose. Toutes ces entreprises qui sont soit à l'arrêt ou qui sont soit dans des situations de baisse drastique d'activité, tout ça génère des coûts. Il y a une réalité, il y a une réalité, et tous ceux qui suivent ce live, je pense, en sont conscients. La réalité, c'est que l'État, c'est vous et moi. L'État, l'argent de l'État, c'est vous, c'est moi. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, soyons réalistes, ce coût, on va devoir le supporter. À un moment donné, ça va être supporté par tous les concitoyens, par toutes les entreprises. Et donc, il faut éviter. Alors, il fallait réagir au niveau de la crise sanitaire. Et on voit que finalement, la stratégie de déconfinement, de confinement, pardon, la stratégie de confinement qui a été critiquée, cette stratégie aujourd'hui, d'un point de vue statistique, je ne rentre pas dans les polémiques complotistes qui disent qu'on n'a pas les bons éléments, mais si je me fie aux éléments que le gouvernement nous communique, les statistiques sont là, prouvent que nous arrivons à une forme de plateau, voire une descente, puisqu'hier il y a eu une forte, forte baisse des décès. Donc la crise sanitaire est maîtrisée. Et de l'autre côté, moi je dis, on va vivre avec le virus encore quelque temps. En tout cas, il va falloir changer notre façon de vivre, notre façon de nous comporter, les gestes barrières, la distanciation sociale. Et je sais que enfin moi-même, hein, je suis un garçon très tactile, j'aime beaucoup le contact avec les gens. Je me voilà, c'est très compliqué de retrouver quelqu'un qu'on connaît ou un collaborateur avec lequel on travaille et ne pas lui serrer la main. C'est très complexe, je sais. Et j'ai à ce moment-là une vraie pensée pour mes amis, mes confrères commerçants, parce qu'accueillir du public, accueillir les clients, ça va être complexe. Ça va être complexe. C'est une réalité, ça va être complexe.
Donc, pour en revenir à la partie sanitaire, les chiffres sont bons. À La Réunion, l'épidémie est maîtrisée. Néanmoins, ça c'est encore une fois mon opinion, je crains que lors du déconfinement, j'ai bien aimé le mot hier, c'est assouplissement du confinement. À ce moment-là, il y a un risque. J'ai vu des projections qui montrent une recrudescence de l'épidémie. Et on a eu un article si ma mémoire est bonne, c'était Harvard Business Review. Peut-être que là, ma mémoire, elle est peut-être pas bien en place, mais un article qui dit que nous allons devoir vivre différentes périodes, des périodes de déconfinement ou confinement plus léger, et des périodes de confinement plus strictes, jusqu'à ce qu'on jugule totalement cette pandémie. Et cette pandémie peut être jugulée de deux façons, je pense qu'on est tous d'accord, soit par un vaccin, soit par, le mot ne me revient pas, immunité collective. Voilà. Yes. D'ailleurs, par rapport à ce que tu disais, moi je rajoute que là, on n'est déjà pas en sortie de confinement, on n'est pas encore le 11 mai. Et à travers les actualités, j'ai pu vous notamment voir des stades de foot qui étaient escaladés par les gens pour faire des parties de foot, alors qu'on est encore en confinement. Et rien que ça, moi ça m'horripile parce que le respect des gestes de barrière, il est où? Le respect est mort. Et à ce moment-là, au-delà du respect, c'est juste que ben ça. C'est notamment ce genre de situation-là qui peut favoriser une recrudescence, l'apparition d'une nouvelle vague potentielle. Et là, on n'est même pas encore sorti du confinement. C'est-à-dire qu'après le 11 mai, ce genre de situation, ça va se produire encore plus en masse. Donc, il faut vraiment que les entreprises Il se y a forcément un préparent. relâchement. Comment? Il y a forcément un relâchement. On l'observe. Donc voilà. Maintenant, comme l'a dit le Premier ministre et le président, il faut aussi compter sur la responsabilité de la nation. Voilà. Enfin, on peut pas que légiférer et bloquer les libertés. Voilà. On peut pas faire que ça. Donc moi je dis effectivement, il faut que chacun se responsabilise et que chacun agisse en conscience, en connaissance de cause de ce qu'il fait, comment il protège ses proches. Voilà. C'est ça. Alors du coup, il y a eu pas mal de questions là, depuis ta réponse. Merci à tout le monde, merci à Camille, merci à Salima. Donc merci pour reprendre une question qui vient d'être posée là. Alors, donc il y a Jenaba qui disait, je pense aussi que les si dans cette situation n'ont pas leur place. Toutes ces personnes se retrouvent à gérer une situation d'uranium et vivent au même titre. Ça les choque que nous avons eu face à un ennemi invisible. Donc vraiment, soyons solidaires et compréhensifs ensemble. Et à ce sujet, elle demande, est-ce que on peut d'ores et déjà, on va dire, parler d'un après-coronavirus et les choses seront-elles les mêmes désormais? Ça, c'est une question que j'ai aussi entendue. Est-ce que ça sera comme avant? Enfin voilà. Oui, on l'entend souvent, c'est une excellente question. En tout cas, c'est un sujet qu'on observe en permanence, moi, dans les différents groupes que je suis. On a même souvent différents courants de pensée qui profitent de cette occasion pour passer des messages. Les écologistes vont nous dire, voilà, c'est une punition, on a trop exploité notre terre, il y aura même parfois des religions qui vont dire que c'est une punition, etc., etc., et que en gros c'est bien fait pour nous. Moi je dis, encore une fois, personne ne sait. Personne ne sait. On vit la situation. Moi je suis je suis un adepte de l'instant présent. On vit le moment. Et on a cette chance, nous, êtres humains, d'avoir la capacité de s'adapter. Et je sais, je suis confiant, conscient que nous arriverons
à surmonter cette crise, comme nos prédécesseurs ont surmonté d'autres crises, parce que l'être humain a cette intelligence, cette faculté de s'adapter dans chaque situation. C'est d'ailleurs pour ça que depuis des milliards d'années, nous sommes là. Donc, quel sera le monde d'après? Eh bien, moi, je vous dis, je n'en sais rien. Voilà. Je dis juste que ça ne sera pas comme avant, voilà, parce que il va falloir faire attention à la présence, en tout cas, de ce virus, à la façon dont on va se comporter les uns les autres. Je sens aujourd'hui que je vais à la boulangerie, si je m'approche trop d'une personne, elle est inquiète, donc il y a une forme d'inquiétude générale, et tout ça va être là, persistant, et c'est un message aussi que je donne aux commerçants qui vont accueillir leurs clients. Il faudra donner confiance, il faudra que les mesures soient prises, les éléments soient bien en place pour que le client a confiance et il vienne de nouveau dans les différentes boutiques. Donc voilà, on aura en tout cas une période, une nouvelle période. Tout ne va pas changer non plus, hein. On va avoir des retours, hein. Moi, je pense que d'un point de vue économique, là, c'est dur, mais derrière toute crise, il y a souvent des reprises qui sont aussi phénoménales que la crise. Donc, comment prévoir demain? Moi, je dis, chacun doit essayer de penser, de l'imaginer et d'agir en fonction des règles, bien sûr, mais d'agir aussi en fonction de ses propres pensées, ses propres valeurs. Il n'y a pas de bonnes, de mauvaises valeurs. On n'est pas là pour juger les gens. Et moi, je dis, voilà, c'est par contre, petit point important, souvent, en fin d'année, on dit, ça y est, l'année est terminée, on va faire un bilan et on va préparer l'année suivante. Souvent, hein, on entend, je prends des bonnes résolutions, etc. etc. Et en fait, moi, je dis, je transforme cette période de pandémie, cette période de confinement, je dis, c'était l'occasion, c'était parce qu'on va sortir, mais il n'est jamais trop tard, c'était l'occasion et on a eu plus de temps pour refaire le point et pour réfléchir à notre stratégie individuelle, de nos activités, de notre famille et de notre société. C'est bien, ça a permis... Ça permet ça. On nous a obligés à prendre du temps. Et je pense que voilà. Beaucoup de gens ont eu cette occasion du temps. Voilà. Yes. Il y a Camille. Alors, juste avant d'aborder la question de Camille, je tiens à remercier les nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Donc, il y en a pas mal. Fabien Mounoussami, Zahira Mangrolia, Laurent Marouane Séverin, Franck Mongin, Nicolas Virin aussi. Voilà, donc Robin Desbois. Robin Desbois. Alors. Un coucou à tous. Hein. Donc il y a Camille qui nous pose sa question. Une question pour toi, monsieur Mahmoud Ali. Le Covid-19 a-t-il condamné d'avance la majorité des PME françaises? Alors là, on est sur le côté crise économique. Donc, je pense qu'on ne va pas tenir notre... moduler comme ça, ouais. Oui, et je dis, il faut laisser les gens s'exprimer et répondre au fur et à mesure aux différentes interrogations. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs choisi ce format d'aujourd'hui, entre midi et deux, pour vraiment voilà, être à l'écoute, échanger, partage d'opinions, d'avis, voilà. La question est pertinente. D'emblée, comme ça, on peut se dire, la majorité des PME sont condamnées ou des TPE sont condamnées ou les commerçants sont condamnés. Ok, c'est une façon de voir la chose. Moi, je dis, c'est aussi l'occasion pour l'ensemble des PME françaises de se renouveler, de réfléchir, de préparer
de voir quelle stratégie adopter, même si on a une difficulté dans la capacité de prévoir ce qui va se passer, c'est l'occasion. Donc, que ce soit la toute petite entreprise, le petit auto-entrepreneur, petit, c'est pas péjoratif, mais l'entrepreneur seul, jusqu'à la très grande entreprise, et on voit l'état de Air France, qui va devoir réfléchir, qui va devoir réfléchir comment, avec les conditions sanitaires et les règles sanitaires, comment avoir de la rentabilité sur la compagnie. Donc, effectivement, il y aura de la casse, hein, ça c'est, il y a une réalité. Et je pense, alors moi je vous donne mon point de vue sur l'approche entrepreneuriale. Je pense que ceux qui vont s'en sortir seront ceux qui auront été agiles. Voilà. Je pense que l'agilité est une qualité nécessaire pour s'en sortir dans cette situation. Subir n'est pas une solution. En tout cas, subir sans réfléchir. Voilà. Il faut réfléchir. Il faut essayer d'imaginer comment le consommateur va consommer après la crise. Ouais, juste pour vous, pour nos spectateurs et pour toi, moi aujourd'hui, j'attends impatiemment d'aller chez le coiffeur et le barbier, et comme beaucoup de gens, je pense, voilà. Mais aussi, comment allons-nous, voilà, comment allons-nous être chez notre coiffeur barbier? Comment lui va pouvoir respecter les gestes barrières, les consignes sanitaires? Parce que oui, j'ai envie d'aller chez mon coiffeur et j'ai envie de prendre soin de moi et j'ai envie, voilà. Mais de l'autre côté, le risque, il y a quand même le risque. Il y a quand même cette notion. La pandémie est là, le virus est là, un peu moindre à La Réunion, mais voilà. Donc, je pense qu'il y a une attention qu'aura le consommateur et que doit avoir l'offreur de biens ou de services pour déjà voilà réaliser les opérations qu'il a l'habitude de faire. Voilà. Moi, je pense que c'est une Donc, pas, excellente pour notion moi, que tu as voilà, pour moi, il n'y soulevée. a pas de, voilà, pour moi, il n'y a pas de condamnation. La condamnation, c'est l'entrepreneur ou le dirigeant lui-même qui, si il met ça dans son mindset, c'est condamné. Voilà, c'est fini. Maintenant, tout à l'heure, quand on va parler des différents dispositifs et on va parler de la crise économique, moi, je vais vous donner enfin, voilà, mon avis sur les différentes aides. On ne sait jamais vraiment assez, mais c'est quand même pas mal. Il y a des choses qui fonctionnent plus ou moins bien, il y a d'autres qui ne fonctionnent pas très bien. Et on le sait, on fera un petit tour tout à l'heure. Et je vais vous expliquer un petit peu, moi, entrepreneur, comment j'ai fait, enfin, quelles ont été mes décisions. Voilà. Ok. Moi, je pense que c'est excellent que tu parles de cette notion d'agilité. Je pense que ça a le mérite, en tout cas, d'être abordé peut-être là ou une autre fois, parce qu'on a qu'une heure trente, ça passe déjà vite. Mais c'est vrai que l'agilité, il y a même des formations, par exemple, j'ai vu passer de management agile. Et ça montre bien que le terme d'agilité est encore peut-être pas encore assez répandu dans les esprits. On connaît peut-être le mot, mais le concept dans sa globalité, peut-être pas encore assez. Et là, le coronavirus, il a forcé les gens de, même si on ne connaissait pas la notion, d'être dans cette notion-là, quoi. Alors, donc, question suivante. Alors, il y a eu plusieurs questions, j'ai vu. Alors, il y a Laetitia Fouquet, ou Fouquet, excuse-moi si je prononce mal, qui dit « À chacun de se protéger au maximum, il y a encore des contaminations pendant quelques mois. » Jenaba qui dit, ce qui me fait peur, c'est l'excès qu'il pourrait y avoir le 11 mai. Les gens vont certainement faire des choses qui peuvent faire repartir la pandémie. Et du coup, il y a Camille toujours qui disait, Alors, pour compléter ma question, vas-y. juste par rapport à la question de Camille, parce que je la vois là, la suite, mais avant de, Ça y est, tu vois. je voudrais juste réagir
aux commentaires liés à l'accélération. Je partage, hein, je vous cache pas, je partage cette inquiétude. Oui, enfin, je pense clairement que ça devrait, forcément, on ne pourra pas maîtriser tout le monde, donc il y aura une recrudescence. Encore une fois, il va falloir juste maîtriser cette remontée de la courbe pour pas saturer nos services hospitaliers. Voilà. Et je dis aujourd'hui, je le répète, nos soignants sont quand même fatigués. Vous imaginez les chiffres hier, on est 5 000, alors, lit de réanimation nationale, 5 000, qui couvrent les besoins de fonctionnement normaux. Voilà. Et aujourd'hui, on est au-dessus de 50% que des patients Covid. Et l'effort qui doit être déployé dans ce genre de service, j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu en collaboration, c'est énorme. Et c'est très stressant, c'est fatigant. Voilà. Donc, l'idée, c'est de ne pas tirer à nouveau sur la corde, voilà. Donc, il y aura une remontée. Soyons réalistes, même, je dis, il y aura une remontée, mais faisons en sorte qu'elle se fasse le plus platement possible pour qu'on puisse gérer la situation et surtout que nos services de soins, que nos médecins n'aient pas à faire des choix qui ont dû être faits dans d'autres pays. Ou alors, j'ai vu des choses en Amérique du Sud où il y avait des corps qui traînaient, etc. Enfin, voilà, je m'inquiète pour l'Afrique, par exemple. J'ai une profonde inquiétude parce que l'Afrique n'est pas dotée aussi bien que nous et qu'il n'y a pas vraiment de statistiques, il y a de la corruption, enfin, il y a un certain nombre de choses. Donc, voilà, je suis inquiet pour ça. Mais après, il y a une réalité. Le virus est là, il est bien présent, il fait des morts. On a eu une première semaine où on a été en mode sidération, hein, je pense. Moi-même, j'ai eu une semaine où quand j'ai vu le président dire on doit être confiné, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Je me suis dit mais qu'est-ce qui arrive? Non, non, c'est pas nous, c'est pas maintenant, c'est pas possible. Qu'est-ce qui va se passer? Non. Et je comprends tout le monde, tous les gens qui ont eu cette phase de sidération. Voilà, choc, sidération, c'est normal, limite, je dirais, c'est normal. Ça Et fait partie des étapes. après, voilà. Alors, il y a Franck. Je sais pas si tu as fini, si Andrew, tu as fini. Alors, je n'ai Il y a pas Franck répondu à Mouchin. Camille, je vois. Ah oui, d'accord. Oui, Camille a mis un complément de question. Ouais, Donc, pour on va essayer de l'auditeur qui répondre ne voit pas déjà le de ça. commentaire, il disait, avec l'épidémie de coronavirus, les entreprises sont confrontées à des problèmes d'organisation du travail et des difficultés économiques inédites. Tout en organisant une lutte collective contre la dissémination du virus, le gouvernement a-t-il pris les mesures nécessaires pour les aider à surmonter cette crise d'une ampleur sans précédent? Encore une fois, je ne suis pas aux responsabilités. Si j'étais C'est clair. le PM ou si j'étais le président, j'aurais peut-être agi de la même façon ou différemment. Je n'en sais rien. Je dis juste, moi je dis, ils font de leur mieux. Voilà. Et ça peut peut-être choquer. Il y a des gens qui vont dire, non, mais tu peux pas dire ça. Moi je dis, ils ont fait. Ils font de leur mieux. Et y a des vidéos qui sont très parlantes quand on voit le discours d'il y a quelques mois, janvier, février, des politiques, et puis la variation des discours au fil de la situation. On se rend compte que ce sont des êtres humains, comme vous et moi. Alors s'il y a un truc qu'on peut leur reprocher, c'est parfois de ne pas reconnaître ça. Mais j'ai quand même trouvé assez d'humilité chez le président, chez le PM, le Premier ministre, voilà, qui dit clairement, je ne sais pas, je ne sais pas, je prends les données du jour ou des 7 derniers jours et je prends les conseils et j'essaye d'agir pour le bien de la nation. Et je pense quand même qu'on peut leur faire confiance là-dessus. Sinon, nous ne les aurions pas mis à la tête de notre pays.
Merci. Donc Franck Mongin qui avait une question suivante. Quel monde d'après chacun d'entre nous souhaitons-nous? Mais pas dans les gestes sanitaires, plutôt dans la philosophie de vie, la manière de consommer et de communiquer. Quelle est ton opinion? Alors, c'est une question qui revient souvent. C'est quoi notre façon de penser? Quelle philosophie de vie devrions-nous avoir? Et on s'est rendu compte d'une chose. Alors, je ferai un petit constat. On s'est rendu compte d'une chose. La mondialisation entraîne des dépendances et on va peut-être dire interdépendances colossales. Hein, aujourd'hui, vous voulez avoir des masques? Et ben, il faut les acheter en Chine. Je parle des masques chirurgicaux et FFP2. Voilà. La production française est très réduite, n'était pas en capacité de répondre. Et j'ai même, alors je n'ai plus les détails, mais j'avais reçu une information que une entreprise dédiée à ce créneau-là a été démantelée ou en tout cas est partie en liquidation, redressement liquidation. Quelques temps avant cette crise. Donc, ok, on observe un certain nombre de choses. Je suis d'accord. Moi, je dis aujourd'hui, ça nous oblige à réfléchir sur les circuits plus courts. Alors, les circuits plus courts, moi, j'inclus la nation. En tout entière, hein. France, les départements d'outre-mer font partie de la France, donc dans son ensemble. Je dis, il faut essayer de consommer, alors si on parle de consommation, il faut essayer de consommer prioritairement dans sa zone. Et c'est ce qui a été fait. Finalement, il y a une forme d'habitude qui a commencé à être prise. Par l'obligation de déplacements courts durant le confinement. Voilà, il faudrait maintenir et limite, je dirais même, poursuivre nos efforts pour ça. À un deuxième stade, on sait qu'il faut qu'on travaille avec le national en priorité, puis après à l'international. Donc, il y a effectivement une façon de consommer, une façon de produire. Il y a aussi, finalement, moi je poserai une autre question à Franck. Est-ce qu'on doit continuer à consommer autant que l'on consommait avant cette pandémie? Est-ce que c'est raisonnable? Voilà, c'est une question. Alors, en tant qu'entrepreneur, je vais vous dire oui, il faut que la consommation continue et limite, je vous dirais même que la consommation repart de plus belle pour que l'on puisse payer tout ce qui nous attend. Parce que n'oubliez pas, en tout cas, les entreprises ont eu beaucoup de reports. Et là, Bruno Le Maire a annoncé une suppression des charges sociales qui ont été reportées. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais ce ne sont que des reports. Et même le PGE, le prêt garanti par l'État, c'est un prêt. Un prêt qu'il va falloir rembourser. Et donc, pour le moment, on s'achemine avec tous ces dispositifs, on s'achemine vers une augmentation, en tout cas une recherche d'augmentation de l'activité économique. Pour voilà, pour revenir à des niveaux et aller au-delà de ces niveaux parce qu'il va falloir rattraper ce qui a été perdu. Bon, voilà. Mais le temps ne se rattrapera pas. Donc oui, c'est une vraie question et que chacun doit se poser finalement. Je pense que c'est important. Alors, il y a plusieurs personnes qui nous ont rejoints. Il y a aussi beaucoup de questions, hein. Franchement, je pense qu'on n'aura peut-être pas le temps de tout aborder malheureusement, peut-être après le live. En tout cas, il y a Yannick Duguin là qui nous rejoint. Il y a Miguel Teixeira qui nous rejoint, qui nous dit bonjour et bravo à toi, Mahmoud Raza. Il y a Laetitia Fouquet qui dit Merci. consommer local, priorité number one. Acheter moins, mais meilleure qualité locale. Pour aider les entrepreneurs, il faudra quand même consommer et vivre tout en étant prudent.
Il y a Djinaba qui nous fait On a une beaucoup totale d'avis et je confidence, trouve ça. qui nous dit j'ai eu le coronavirus et j'en suis encore dedans, très touché et choqué, mais je préfère regarder les côtés positifs et regarder devant. Très bon mindset, Djinba, et je suis là et ici et maintenant. J'adore. Donc, question suivante. Cool Price qui dit comment s'adapteront les startups, donc ça c'est ton domaine ça, après la crise, mais surtout aujourd'hui, quels sont les besoins en la matière pour lutter et passer cette crise sanitaire et économique? Il y aura des Alors, éléments comme ça. c'est une bonne question. Ça rejoint aussi, j'ai vu le commentaire de Robin Desbois, l'après-crise rime avec la Digitalisation. digitalisation. Hein. Et Yes. je pense, alors, c'est bien, je crois que ça fait partie des sujets qu'on devait aborder, le côté digital. Je vais essayer de parler un peu de ce point-là. Moi, je dis, si vous avez observé, cette crise a accéléré un certain nombre de décisions qui étaient là, latentes, hein, qui étaient là, latentes. Hein. Oui, il nous faut un site internet, il faut être présent sur le digital, mais comment on fait? Bon, okay. Eh bien, alors, nous, on est très présents dans le digital. Enfin, Abdoulaye et moi-même, voilà, c'est un monde qui me parle bien, mais j'ai été agréablement surpris. Que cette crise entraîne une vraie réflexion des différents commerçants, même le petit commerce du coin. Moi, j'ai eu des petits commerçants qui m'ont dit, oui, mais moi aussi, je veux avoir un site internet, pouvoir proposer mes produits sur le digital, parce que les gens vont prendre cette habitude. Et effectivement, à La Réunion, nous avions, on verra les prochains baromètres et statistiques qui vont sortir, mais nous avions un retard. Un retard sur la digitalisation des entreprises et le e-commerce. Et limite, je n'ai plus les chiffres en tête là, mais le nombre de colis que nous recevons à La Réunion de plateformes étrangères, sans citer de marque ni de nom, devient colossal année après année, qui vient donc aspirer la richesse territoriale au profit d'on ne sait où. Enfin, on sait, mais. Oui, c'est en tout cas, c'est ni un entrepreneur réunionnais qui en profite, ni une entreprise du territoire, ou très peu. Donc je dis, très bonne situation, cette crise, qui a obligé les entreprises, petites, très petites, moyennes et grandes, à revoir leur approche du digital, le télétravail qui était... Ouh là là, intrusion dans la vie privée des gens, eh ben va, je ne sais pas si ça deviendra la norme, mais en tout cas va prendre, a pris, pardon, a pris son essor durant cette crise. Et je dis, pour reprendre la phrase de Robin Desbois, ce n'est pas l'après-crise qui rime avec la digitalisation, la crise rime avec digitalisation. Toutes les entreprises doivent, ont dû réfléchir à une façon ou une autre, que ce soit avec leurs équipes ou avec leurs clients, travailler de façon digitale. Limite, Abdullah, tu pourrais raconter ton expérience lorsqu'on a eu l'échange téléphonique vis-à-vis de tes clients et comment tu peux les suivre à distance. C'est un superbe exemple. C'est aussi, je rebondis là-dessus, ça pourrait régler effectivement beaucoup de problématiques liées à la circulation des véhicules sur notre territoire. Mais ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. Ce Voilà. côté Mais en tout cas, je le dis, limiter voilà, nos très important. déplacements Et alors, en automobile. je profite pour donner des tips. La région, Réunion, on peut être critique sur plein de choses, mais il y a des choses très bonnes qui sont faites par nos élus. La région a déployé massivement son dispositif chèque digital avec un passage, si ma mémoire ne me fait pas défaut, de 50% à 80% dans la limite de dépenses de 4 000 euros. Ça fait 3 200 euros. Je pense qu'avec 3 200 euros, même si on me dira que ce n'est pas suffisant, oui, mais c'est déjà ça. Ça permet déjà de mettre le pied à l'étrier pour démarrer
quand on est totalement absent sur le digital. Donc le digital va être une des solutions, clairement. Je pense que les Réunionnais ont appris durant cette crise à communiquer, à commander, pardon, d'un point de vue customer, enfin client, ont appris à commander sur le digital et ça va changer l'approche du client réunionnais en fait. Donc l'entreprise va devoir, le commerce va devoir jongler avec le côté digital et le côté physique. Voilà, il faut s'attendre, moi c'est une de mes prévisions, il faut s'attendre à une baisse de fréquentation des commerces. Voilà. Alors il y aura peut-être une hausse temporaire qui vient en fait post-confinement où les gens ont besoin de sortir, mais les gens ont pris goût à faire des petites commandes sur le digital, à recevoir leurs produits chez eux. Il y a un vrai changement de paradigme. Il y a un truc à faire. Voilà. Et nous, on l'a exploré. Je profite pour raconter un peu notre expérience. Nous, on l'avait exploré en 2017, puisque j'ai fondé avec mes associés la plateforme Cabis.re pour la dématérialisation de l'extrait Cabis, hein, qui est un document administratif nécessaire pour toutes les entreprises. Et on était précurseurs sur le territoire. Et on observait le passage petit à petit. Nous, on a essayé de rendre ça très user-friendly pour que les gens commencent à prendre l'habitude d'arrêter de faire la queue au greffe pour rien, de perdre leur temps et passer sur le digital. Donc, et nous voyons, hein, moi j'ai les chiffres tous les jours, je vois une vraie croissance. Donc là, bon, forcément, hein, lié au PGE, nous on a connu une belle croissance, mais au-delà de ça, je vois une croissance continue, qui n'est pas une croissance exponentielle, mais une croissance continue de la demande sur, voilà, sur ce type de plateforme. Là, c'est une plateforme de service, et je pense qu'il y a un vrai sujet sur même les plateformes de biens. Il y a un vrai, il y a un vrai. Moi, je pense que, et c'est là. Alors, je viens, je me rends compte que je n'ai pas répondu à la question liée aux startups. Les startups aujourd'hui, alors vous savez, c'est un monde qui est très très large. On parle de biotech, legal tech, fintech. On aime bien mettre des tech. Hein, moi, je fais partie de la French tech. Voilà. Mais en fonction du secteur, alors par exemple, Cabis fait partie de ce qu'on appelle la legal tech. En fonction du secteur dans lequel vous êtes, en tout cas, si vous êtes déjà entrepreneur ou en tout cas start-upper, comme on dit, il y a forcément des opportunités à explorer par rapport à votre domaine, en tout cas dans lequel vous avez fait le choix. Alors, si la question était plutôt, alors je vais essayer de retrouver la question. Non, sinon je peux la La poser question directement. était, alors, Si tu as comment d'autres questions. s'adapteront les startups après la crise? Mais moi, je pense qu'une startup, par définition, c'est déjà une entreprise qui est ultra agile. Donc, elle est déjà en crise, une startup. En permanence, elle est en crise, hein, une startup. Ouais, je vous dis, pour avoir participé, avoir deux, c'est la crise permanente. Voilà. Et donc, il faut être agile. Voilà. Ça va être une nécessité. Il y aura de la casse, hein, chez les startups, il y a une réalité, hein, 95% des entreprises n'arrivent pas, pardon, n'arrivent pas en bout de. N'arrivent pas en tout cas à commercialiser leurs produits, etc. Donc voilà, il n'y a que 5% de startups qui avancent. Et donc, moi je dis, alors si on me demande, si la question c'est quels sont les créneaux, moi je dis, il y a clairement des créneaux dans la biotech, hein, enfin voilà, les gens qui ont inventé des tests rapides, la sérologie, etc. Il y a un certain nombre, voilà, il y a un certain nombre de choses, il y a un certain nombre de choses à faire. Donc je pense que pour les startups, il y a un avenir. Après, encore une fois, reste à définir c'est quoi une startup. Voilà, mais ça serait trop long.
Il y a Cadrélise qui nous a rejoint, il y a Dangène qui nous a rejoint, Émilie Laurette, Sandrine Savrimoutou, Robin Desbois toujours présent. Donc il a même rajouté, important tout de même le e-commerce, ne doit pas tuer le commerce physique. Les commerces physiques devront se digitaliser pour augmenter leur visibilité. Il y a Alex Cronenberg qui nous a rejoint aussi, salut à toi. D'ailleurs, qui lui aussi a une entreprise axée sur le digital, sur la technologie, smartphone. Et Excellent, excellent. une question qu'on a eue là toujours de Salima, doit-on lancer alors son propre jardin vertical, monsieur, et tenter de développer une autosuffisance pour les futurs coups durs? Hashtag trees jardin. Excellent. Alors, j'aime le commentaire et oui, je vois que c'est quelqu'un qui suit. Et merci à tous de suivre un petit peu notre actualité. Et là, je pense que ça parle de, enfin, je pense, non, j'en suis certain, ça parle de Vertibio. C'est sûr. Vertibio qui a d'ailleurs, voilà, développé un truc qui s'appelle un produit qui s'appelle le Jardi Composteur, le Trees étant le premier prototype que nous avions fait. Mais au-delà de ça, la philosophie, c'est là, on revient à cette histoire de philosophie. Parce que le domaine de ce que, en tant que start-up, nous on appelait ça, alors même si c'est de la low-tech, puisqu'il n'y a pas vraiment de tech chez nous, ça reste dans le domaine de l'agri-tech, parce que c'est une innovation d'usage. Alors, innovation aussi, je mets un bémol sur ce terme-là, puisque la façon dont on a essayé de démocratiser ce qu'on appelle la culture en trous de serrure. C'est quelque chose qui existe déjà depuis des millénaires. Mais on a essayé de l'adapter à notre monde d'aujourd'hui. Donc, effectivement, la philosophie qui sous-tend, par exemple, ce genre de projet, c'est une philosophie du consommer, produire et consommer déjà soi-même, et derrière, peut-être faire un jardin partagé ou un potager partagé avec ses voisins quand c'est possible, et faire éventuellement des échanges, etc. Ça, c'est, voilà, il y avait cette philosophie, enfin, il y a cette philosophie derrière un projet comme celui-là. C'est une des possibilités, et il y a plein d'autres possibilités. Moi, je dis, la première étape au-delà de faire sa propre culture, etc., ça serait déjà de consommer avec les agriculteurs de notre territoire. J'ai entendu, et là encore, deuxième coup de gueule, j'aime bien les coups de gueule de temps en temps, deuxième coup de gueule quand j'ai entendu qu'on avait tué la filière oignon de La Réunion au profit de la filière importation. Bon, eh ben, je crois que là, il va falloir réfléchir. En tout cas, dans les institutions dans lesquelles je suis, d'un point de vue politique, voilà, c'est un débat qu'on va forcément avoir. Je vois que dans nos groupes, il y a déjà un certain nombre de débats sur ce point-là. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Mais le consommateur, et là on va remettre le consommateur en face de ses responsabilités, est-il prêt à payer un petit peu plus cher et à consommer local? Eh oui. Et je pense que les consommateurs ont leur part de responsabilité. Yes. Il y a Jérémy, un ami à moi, qui nous a rejoint. Justement, pour rebondir sur ce que tu disais, les habitudes de consommation, elles vont complètement changer pour la métropole. Elles ont déjà en partie changé. On parlait notamment, et pour rebondir sur ta suggestion de parler de notre échange téléphonique par rapport à la circulation, le vélo. Déjà, le vélo, ça sera une nouvelle habitude pour des entrepreneurs de La Réunion qui n'ont pas forcément pris cette habitude de faire ces déplacements, ces micro-déplacements en voiture. Moi, je pense qu'on va assister de plus en plus à ça. Il y avait déjà les collectivités qui cherchaient, même avant le coronavirus, à chercher à valoriser le vélo. Et oui, on est à La Réunion, il y a des pentes, ça fait transpirer, on est d'accord. Mais voilà, il y aura toujours des alternatives. On connaît même une start-up, nous, qui a été à Las Vegas, justement. Un Réunionnais qui a un projet assez innovant en termes de vélo qui permet de transporter des Vélo, colis. parle de vélo. Vélo, exact. Donc voilà, ça va changer. Et moi, je disais avec Mahmoud Raza au téléphone qu'en fait, dans mon activité, par exemple, donc, pour rappeler, comme on est un peu à plus des deux tiers de l'émission,
Moi, je suis chef de projet marketing, communication et community manager. Donc, en fait, typiquement, mes clients, je les rencontrais souvent en réel. Et puis, souvent, c'était des échanges téléphoniques parce que les visios, ils n'étaient pas forcément tous habitués à ça. Et finalement, avec le coronavirus, et puis même un petit peu avant, je les avais déjà habitués à le faire au moins une fois. Mais là, avec le coronavirus, bah, c'est tout le temps le cas en fait. Là, par exemple, pour un projet graphique, on a fait le projet sur une semaine, et ben on a pris quand même 3 sessions de 30 minutes, 1 heure de visio, à 3 dans donc le client, le collaborateur et moi-même. Et finalement, je disais même à mon collaborateur, bah, tu vois, avec cette cliente, ce qui est chouette par rapport à si c'était hors coronavirus, et ben tout le monde était OK pour faire des visios. Et finalement, moi, j'ai le ressenti dans la relation client qui change, en fait. J'ai ce souvenir agréable d'une relation où on a passé 3 fois 1h30 à communiquer sur le projet, dans une bonne ambiance, et tout ça pour la croissance de l'entreprise, puisque ça partait d'un réel besoin pour communiquer. Donc le vélo, moi je dis, j'y crois fermement, j'ai du mal encore à me projeter, hein, c'est très personnel, mais j'ai du mal encore à me projeter à faire tous mes déplacements à La Réunion en vélo. Voilà, j'ai déjà fait une fois Saint-Louis-le-Port en vélo, c'était épuisant. Mais voilà, j'y crois en tout cas et je pense que tous ensemble, on peut trouver des nouvelles méthodes de consommer moins et plus proprement. C'est clair. Je pense, on est arrivé, je vois, c'est ça, 2/3. Je vois qu'il y a aussi des questions, mais je pense que les gens Je pense qu'il faut leur ont laisser aussi des ailes besoin du temps. de faire un petit tour. C'est Carrément. ça, Bah, sur Pierre la Tournet question qui nous a de la rejoint, crise prof économique. de salsa, super. Je vois, alors peut-être qu'on répondra à la question de Cool Price encore une fois, et puis après on Eh ben, passera ok. à une petite revue de toutes les aides, et je vous donnerai en tout cas moi ma stratégie, hein, et comment j'ai pensé la crise. Voilà. Et Zaïda, elle a raison en disant que moins de Oui, ben déplacements, c'est moins de pollution et plus de temps. Et surtout, je voudrais revenir sur cette notion de déplacement. Je pense que chaque Réunionnais est au courant du coût de la nouvelle route du littoral. Et ce genre de grandes infrastructures, elle est belle, hein, la route, elle n'est pas encore finie, mais en tout cas, c'est une prouesse technique, technologique, je ne sais pas, mais en tout cas il y a technique. d'ailleurs Zamir qui est dans le live et qui a fait des très belles photos d'ailleurs de cette structure, ouais. Et voilà, enfin, donc, oui, mais tout ça, ça coûte. Ça coûte, et pourquoi on a besoin de tout ça? Parce que, accroissement du nombre de voitures, accroissement de la circulation, et franchement, chers amis, passer des heures et des heures sur la route, je crois que ça n'enchante personne. Donc, c'est pas une mauvaise idée de faire plus de télétravail, d'utiliser les nouvelles technologies, et ça aura un impact, et je dis ça peut avoir un impact sur nos vies, sur notre temps, sur l'écologie. Enfin, voilà, c'est vraiment un sujet important. Je réponds à la question De Cool de Price, Camille, de Cool qui Price, prend l'embraye pardon. sur la partie vraiment comment se C'est ça. préparer. Alors, quels sont les outils et accompagnements disponibles sur le territoire réunionnais? Alors, il y a peut-être une. Alors, Cool Price nous dit Donc, comme quels sont les. question, tu les as, les questions? Alors, j'ai les questions, mais je vois que le live a été coupé, donc peut-être qu'il y a un Alors, petit non, je bug. pense qu'il va reprendre dans tous les cas. C'est des fois des petits bugs, mais il n'y a pas de souci à ce niveau-là. OK. Donc, la question est simple, c'est quels sont les outils, enfin simple et complexe à la fois, quels sont les outils et accompagnements disponibles sur le territoire réunionnais? Pour qu'une idée tech puisse se transformer en un projet concret, tout en garantissant que l'idée ne soit pas usurpée et soit protégée. Pour les débutants start-upeurs qui sont réticents, par méconnaissance des procédures, hein, comment peuvent-ils faire le premier pas pour entamer une longue démarche? Alors là, il y a d'abord une histoire de philosophie. Il y a une histoire de philosophie. Je vais vous partager, moi, ma philosophie. Je ne crois pas à cette notion de chasse gardée sur une idée.
Je suis pas convaincu par ça. Moi, je dis, une idée, ce n'est rien tant que vous la mettez pas en œuvre. Et cette notion d'être usurpé, protégé, moi, je dis, non, non, il faut pas partir avec ce mindset-là. Il faut partir avec le mindset de, j'ai l'idée, je la challenge, je la diffuse, je regarde, je vois s'il y a des customers, enfin des clients pour ça. J'aurai plein d'avis, de conseils. Non, non, je ne dois pas me cacher. Moi, je me rappelle qu'Abyss, on l'a montré dans un startup week-end. C'était mais ça a été une vitrine colossale. Enfin, faut pas se cacher. Alors oui, celui qui a aujourd'hui, en 2020, croit qu'il a l'idée du siècle et que personne n'a eu cette idée du siècle, mais que cette idée du siècle, il ne veut pas la mettre en œuvre parce qu'il va être usurpé. Non, 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 non. C'est pas le mindset start-upper. Le mindset start-upper, c'est de dire, j'y vais, je fonce. Je veux répondre à un besoin. Ok, ben j'y arriverai ou j'y arriverai peut-être pas. Mais le besoin, je l'ai identifié. Et quand je vais commencer à creuser sur ce sujet, je saurai. Est-ce qu'il n'y a pas déjà d'autres qui ont déjà répondu? Quelle est ma différenciation? Moi, je veux répondre à ce besoin. Mais comment je me différencie des autres? Si je la garde cachée, si je la garde pour moi, elle ne va jamais sortir. Donc déjà, ça c'est un premier point de mindset start-upper qui est un mindset. Voilà, moi je partage beaucoup et j'ai eu des idées qui ont été mises en œuvre par d'autres. Et alors? Et alors? Et alors? Parce que peut-être que d'autres étaient déjà sur ce secteur-là ou avaient déjà cette idée. Ok, on continue à se renouveler, etc. Après, ça c'était la partie philosophique. La partie, juste Abdoulaye, l'écran chez moi Oui. en tout cas ne montre plus. Alors, Voilà, hein, ne de mon montre côté, tout fonctionne. Et puis, du côté de Facebook aussi, tout fonctionne. D'accord, Et je ok. t'entends Donc, je bien. Tu m'excuse auprès des m'entends? auditeurs. J'entends bien, mais je ne vois plus rien. Donc, Nickel. je me dis que tout le monde voit. Tant que le son est Il n'y bon, a pas tout de est bon. souci. Ok. Donc, je disais, par contre, alors, la question était de manière concrète. Quels sont les outils sur notre territoire? Alors, si vous avez une idée, d'accord? Vous avez une idée. Déjà, il faut identifier. Il faut Bien, mais je ne vois plus rien. identifier. Tout fonctionne. J'ai un petit bug, mais il faut identifier dans quel secteur vous voulez vous lancer. En fonction de votre secteur, il y a différentes structures. Alors, en général, si c'est un projet où il y a de la technologie, en tant qu'élu de la Technopole, je pousse cette structure, on peut s'approcher de la Technopole. Il y a des conseillers spécialisés, hein, des consultants qui sont à votre disposition de façon gratuite, hein, et vous devez prendre attache avec cette structure. Et il y a une clause de confidentialité. Il y a une clause de confidentialité qui est signée par le consultant qui va vous suivre. Et j'embrasse avec la distanciation sociale, l'ensemble de l'équipe opérationnelle de la Technopole. Donc voilà, vous avez Digital Réunion. Vous avez, alors on a à La Réunion la chance d'avoir un board French Tech. Et en fait, nous essayons d'orienter les porteurs de projets. On fait même pas du coaching, mais des rendez-vous one-to-one pour essayer d'identifier, ou en tout cas, on essaye de répondre pour orienter correctement le projet. Donc, si Cool Price a un projet et souhaite échanger de façon
privé, il peut, mais en général, voilà, je conseille la Technopole qui est une bonne porte et qui en général vous, la Technopole de la Réunion vous orientera si vous ne rentrez pas dans le dans leur scope, vous orientera vers la structure qui peut vous aider. Après, à la Réunion, on a la chance maintenant, on a des structures type Village by CA, on a des structures type Lisine, on a des structures type CIS, on a des structures, on a plein de structures aujourd'hui qui peuvent accompagner les startups. Il y a aussi, je vois que tu as mis, tu as tagué la région Réunion, il y a aussi des dispositifs d'aide, il y a un guichet, et au-delà de ça, il y a la branche, il y a le bras armé, comme je le dis, et un petit coucou à l'équipe de Nexa, il y a le bras armé de la région Réunion qui actuellement fait des choses excellentes. Juste un petit truc, et tu pourrais partager ça, je suis un fan de coup d'État, tu pourrais partager ça pour cool Price et pour les autres d'ailleurs. Regardez ce que c'est, coup d'État on demand, et vous allez voir. Vous allez avoir plein de vidéos, plein de conseils, et il y a Oussama Amar qui a fait une super vidéo sur les haters là, qui est quand même quelque chose. J'ai vu un petit extrait, j'ai pas eu le temps de voir la vidéo, mais allez-y, voyez, challengez-vous, parlez autour de vous, arrêtez d'être inquiet, et surtout arrêtez avec cette croyance que vous avez l'idée du siècle et que toute la population mondiale, parmi toute la population mondiale, il n'y a personne qui a eu la même idée que vous. Voilà. L'enjeu n'est pas l'idée. L'enjeu, c'est comme quelqu'un l'a écrit, j'ai vu, passer à l'action. L'enjeu, c'est ça. C'est passer à l'action, avancer. Voilà. Yannick qui dit super coup d'État, je valide. Et c'est Robin Desbois, je crois, qui disait passer à l'action. Exactement. Donc du coup, on peut parler maintenant des aides. Hein. Je pense qu'on peut partir à cette partie-là. Troisième et dernière partie donc, du live, c'est donc comment se préparer. Ah ben, très, très bien. En fait, on va passer à la crise économique hein, qui est en fait le sujet, en tout cas qui, moi, en tant qu'entrepreneur, m'a beaucoup occupé ces derniers temps. Déjà, puisque nous avons subi une accélération de l'épidémie et qui est passée en pandémie, et on a subi donc les décisions de notre gouvernement de mettre un coup de frein. Qui finalement, ce coup de frein, on l'a vu au niveau mondial. Enfin, là, le coup de frein, il n'est pas juste local ni national. C'est un coup de frein mondial. Ce coup de frein mondial entraîne de l'inquiétude, d'abord. Hein, c'est le premier réflexe qu'on a, c'est qu'est-ce qui va se passer? Je ne peux plus ouvrir ma boutique, donc... je n'ai plus de clients, je n'ai plus de chiffre d'affaires et tout ça est tout à fait légitime. De l'autre côté, on a eu l'État qui a essayé de répondre du mieux qu'ils ont pu, moins bien, souvent les gens vont dire moins bien que les Allemands, mais c'est mieux que ceci, enfin, encore une fois, éviter les polémiques. En tout cas, il y a une réponse, nationale et c'est déjà une bonne chose. Parmi cette réponse, et je pense que bon nombre de mes confrères ont pris cette décision et ont essayé d'activer le maximum de dispositifs possibles. Alors, les premiers dispositifs qui sont arrivés, ce sont des dispositifs de report. Et j'espère, je pense, que beaucoup d'entrepreneurs ont immédiatement pris, après la phase de sidération, ont pris les choses en main en mettant en œuvre les reports des charges fiscales, des charges sociales, ainsi que le report de leurs échéances de crédit avec leur structure bancaire. Voilà. En tout cas, nous, dès la première semaine, nous avons immédiatement
pris ces mesures. Et là, je partage avec vous une petite expérience. Certains de mes collègues qui font partie des mêmes réseaux m'ont dit, oui, mais moi, j'aime bien être à jour, je préfère être à jour, je préfère payer, j'ai encore assez de trésorerie. OK. Alors moi je dis aujourd'hui, et je dis stratégiquement, finalement, je n'avais pas tort. Quand je vois l'annonce de Bruno Le Maire qui est de dire on va effacer les charges des TPE, en tout cas qui ont été fermées de façon administrative, mais je suis assez convaincu que les autres entreprises vont tous monter au créneau parce que même avec une activité ralentie, on a subi cette situation. Donc, même si j'avais les moyens de payer les charges, il n'y avait pas de souci, j'ai pris la décision de suspendre parce que j'ai quand même eu un impact dans mon entreprise ou dans les différentes entreprises et aussi j'avais anticipé, et ça c'est très important ce mot anticiper pour un chef d'entreprise, un entrepreneur, d'un start-upper, peu importe comment vous vous qualifiez, il faut anticiper. Donc j'ai anticipé la décision de Bruno Le Maire. Je savais, ou en tout cas j'avais dans ma tête, qu'à un moment donné, il y aura ce genre de décision. Et imaginons que j'avais payé. J'aurais pu payer. Je pouvais payer. Mais comment j'aurais fait pour récupérer demain cette aide? Donc, moi je dis, il faut activer l'ensemble. Il ne s'agit pas, alors vous allez, peut-être il y en a qui vont me dire, oui, mais tu es un opportuniste. Non, je suis un mec réaliste. Moi, mon enjeu, c'est de protéger mon entreprise. Hein. Comme chacun d'entre vous, l'enjeu, il est là. Je dois préserver mon entreprise. Comme l'a dit le président, il ne faut pas qu'il y ait de faillite. Il y en aura, hein, il y en aura, il y en aura. Mais voilà. Donc, à chacun individuellement, d'un point de vue économique, il faut protéger son entreprise. Et donc, voilà, moi, j'ai pris cette décision de stopper, donc, en tout cas, de demander le report des charges fiscales et sociales. Donc, en prévision d'une annulation qui est possible et qui est donc déjà arrivée pour les TPE fermées administrativement. Au-delà de cette décision, le gouvernement a tout de suite ouvert la vanne des liquidités. C'est très important qu'on parle de ce sujet-là. Alors, juste pour faire un petit flashback, pour le moment, pour ceux qui n'ont pas d'annulation de charges, ce n'est qu'un report. Attention, pareil, à anticiper le moment où ces charges seront à payer. Voilà. Alors, je vais vous donner une technique, en tout cas, que moi, j'ai appliquée chez nous. J'ai pris les fonds dédiés à ça, d'accord, et je les ai mis de côté. Je ne vais pas les utiliser. Et là vient une autre notion très importante pour les entrepreneurs et ceux qui resteront debout après cette période. Seront ceux qui auront été de bons gestionnaires. Et je sais, les gens souvent sont critiques vis-à-vis de ça, mais moi je dis c'est très important. Comme vous êtes gestionnaire chez vous, dans vos dépenses, j'imagine, et ben quand vous êtes à la tête d'une entreprise, il faut être gestionnaire. Donc voilà, c'était mon petit flashback. Je reviens sur le PGE. Donc prêt garanti à l'État qui a été la deuxième étage de la fusée. Puis après, on va parler des aides, la fameuse aide de 1500 euros, puis après celle de 2500, 5000 régionales. Mais on va compléter un petit peu la fusée. Mais la grande annonce, c'était l'injection de liquidités. Pareil, je vais vous raconter une expérience. J'ai rencontré un commerçant lors d'un de mes déplacements. Lorsque j'ai dû me déplacer pendant ce confinement, un commerçant qui me disait, oui, moi je peux avoir le PGE, mais je ne le prends pas. Parce que c'est une dette, parce que je vais devoir rembourser, parce que ça va me coûter. Et là, je lui ai donné un exemple très simple. Il me disait, lui, il me disait, je peux avoir 50 000 euros.
Alors le PGE, comment ça fonctionne? C'est votre chiffre d'affaires annuel. Vous pouvez demander jusqu'à 25% de ce chiffre d'affaires en financement. 90% est garanti par l'État. Aujourd'hui, moi, en tout cas, avec les banques avec lesquelles je travaille, il n'y en a aucune qui m'a demandé ma caution personnelle sur les 10% restants. Donc, heureusement, je pense qu'il était temps que la banque prenne quelques risques. Et d'ailleurs, la banque va gagner plein d'argent après, au moment où les PGE vont être transformés en crédit court-moyen terme. C'est un autre sujet. On obtient, si on a des éléments chiffrés assez cohérents et qu'on est accompagné, en général, les experts comptables ont fait un sacré travail, un sacré effort. On obtient assez facilement, moi j'ai un panorama des banques, à part une ou deux à La Réunion qui sont un peu difficiles, mais dans l'ensemble ça fonctionne assez bien. Les échanges que nous avons eus au travers de la FEDOM, au travers des différentes organisations patronales avec Rida Tekaya, qui est le patron des banques à La Réunion, montrent effectivement certaines petites difficultés. Au départ, c'était compliqué pour les entreprises qui avaient une notation mauvaise. Puis ça commence, voilà, ça commence à être assez ouvert. Donc certes, ça prend un peu de temps, mais c'est assez ouvert. Donc je racontais l'expérience. Il me dit 50 000 euros, je peux avoir. J'ai dit, est-ce que tu sais qu'est-ce que ça va te coûter? Pourquoi tu me dis que ça va te coûter? Il me dit, oui, mais il faut payer des intérêts, machin, etc. J'ai dit, écoute, pendant 12 mois, 50 000 euros sont mis à ta disposition et ça va te coûter 125 euros. Et si tu es un bon gestionnaire, ces 50 000 euros, tu les mets de côté, si tu n'en as pas besoin aujourd'hui. Pourquoi on doit mettre cet argent de côté? Et pourquoi on doit, moi je milite pour que tous ceux qui peuvent avoir le PGE demandent le PGE. C'est un vrai conseil que je vous donne. Pourquoi? Parce qu'au moment où, et 11 mai, on verra déjà ce qui se passe, au moment où le confinement va s'assouplir et que nous allons devoir redémarrer l'économie, il faut avoir, comme pour un avion, du carburant, sinon on ne peut pas décoller. Et une chose est certaine, mes chers spectateurs, et je vous le dis, une chose est certaine, la vanne du financement après cette crise sera fermée ou sera beaucoup plus complexe. Là, on a de la chance. On peut avoir de la liquidité assez facilement, il y a quand même des difficultés pour certains, mais dans l'ensemble, assez facilement, prenez cette liquidité. Si vous ne l'avez pas eu besoin, si vous n'avez pas eu besoin de cette liquidité, eh bien vous allez la rendre, ça vous aura coûté 125 euros. Alors, maintenant je vais vous dire, moi, entrepreneur, quand j'obtiens de la liquidité, je fais en sorte de sécuriser une partie pour le redémarrage, et en même temps, je recherche les opportunités possibles. Il ne s'agit pas de faire un placement. D'ailleurs, c'est écrit sur le document de la PGE, du PGE, que cet argent n'est pas destiné à rembourser des crédits ou à être placé. Je ne parle pas de placement. Mais lorsque j'imagine mes entreprises demain, je me dis, tiens, il y a besoin d'investir sur le digital. C'est le moment. Ce digital qui va nous faire un retour. Donc, j'estime que dans 12 mois, l'investissement que j'aurais fait, je peux prévoir un retour et que je n'aurai pas besoin forcément de partir sur un crédit moyen, court, moyen, long terme. Voilà. Donc moi, c'est un premier conseil que je vous donne. Ceux qui peuvent obtenir le PGE en fonction de leur situation, prenez le PGE. Voilà. Prenez cet argent qui est mis à votre disposition, soyez gestionnaire, hein, ne prenez pas cet argent pour le dépenser, bien évidemment, mais prenez cet argent pour préparer l'éventuelle reprise ou l'éventuel reconfinement, peut-être. D'accord? Voilà. Et c'est un filet de sécurité. Ça vous coûte pour 50 000 euros, ça coûte 125 euros. Pour 100 000 euros, ça coûte 250 euros. Etc. Vous allez faire les calculs, c'est 0,25%.
de coût. Et il n'y a rien d'autre. C'est 0%, 0% pour tout le reste. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a rien du tout. Voilà. Au-delà de ça, il y a des dispositifs qui ont été mis en place par la BPI. Donc, voilà, hein, c'est, on peut compléter le financement. On peut compléter son financement initial PGE par un financement type prêt rebond. Pareil, mes amis de la BPI à La Réunion sont au taquet. Et je dis, je pense que comme les amis de la région, les amis de BPI sont au taquet dans le traitement des différents éléments. Et ça sera jamais parfait. On va me dire, oui, mais tu dis ça, mais ça met autant de temps, nous, on va mourir, machin. Oui, 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 je vous entends. Mais est-ce qu'on doit passer notre temps à se plaindre ou on doit poursuivre nos efforts pour préserver nos entreprises, préserver toutes ces années de travail pour certains? Donc voilà, ça c'est pour la partie financement. Au-delà de ça, il y a le dispositif, tout à l'heure j'ai oublié, mais il y a le dispositif du chômage partiel, ou qu'on appelle plutôt, c'est la réalité, c'est activité partielle. C'est effectivement immédiatement mettre pour les activités qui sont totalement à l'arrêt, je pense à mes amis hôteliers, location de voiture, en tout cas le tourisme qui va souffrir fortement encore pendant quelques mois. Voilà, ce dispositif a quand même allégé considérablement la charge pour les entreprises. Certes, il y a une avance de fonds à faire et une restitution par l'État, mais globalement, au début, c'était un petit peu lent, mais ça commence à s'améliorer. Au-delà donc de ces dispositifs qu'on a vus, donc report des charges et report des financements, activité partielle pour les salariés, et PGE plus BPI derrière, on a vu apparaître des fonds de solidarité. Et oui, parce que je partageais l'analyse de Philippe Dautonon de l'UBI, qui disait, nous, finalement, nous, entrepreneurs, on est laissés pour compte. On est laissés pour compte. Et je dis, heureusement, juste, ce n'est jamais suffisant. Les montants ne sont jamais suffisants, et c'est vrai. Mais je dis quand même que le dispositif État de 1500 euros d'aide est très facile à obtenir dès lors que vous avez une baisse de chiffre d'affaires de plus de 50%. Je l'ai expérimenté aussi, ça marche très bien. Alors, je n'ai pas eu, et c'est ce petit paramètre, et si parmi vous, il y a des gens qui peuvent me faire un commentaire là-dessus ou autour d'eux dans leur réseau, je n'arrive pas à avoir de bonnes informations sur le fonds de solidarité régional. Pour l'instant, en tout cas dans les réseaux dans lesquels je suis, l'ensemble des personnes qui parlent de ce fonds me disent on n'arrive pas à obtenir le fonds complémentaire, les fameux, je crois que c'est 2005 ou 2000 jusqu'à 5000 en fonction de votre typologie. Voilà, c'est là où voilà, il faut vraiment qu'on fasse limite une remontée si ça ne marche pas pour que on fasse bouger la région et qu'on essaye de comprendre pourquoi la situation est telle qu'elle est. Parce qu'on sait aujourd'hui que les entreprises ont besoin de cet argent pour pouvoir payer leur loyer, etc., etc. Et là, je vais arriver sur un sujet polémique et je pense que c'est important. C'est le fameux sujet des loyers. Alors, on est à La Réunion sur une typologie de propriétaires qui sont en général pas de grandes foncières. D'accord? Sauf que je parle pas des centres commerciaux, mais je parle des petits commerçants. Et ce propriétaire, moi je me mets à la place de ce propriétaire qui a un commerce, qui est le fruit du travail de toute une vie et qui est, entre guillemets, sa rente de retraite. Comment on peut demander à cette personne de mettre une croix sur son loyer, sur ce qui lui permet de vivre? Comment on peut faire ça? Je mets cette question devant vous. Alors, vous allez me dire, oui, je regarde le côté des propriétaires et je ne regarde pas le côté des locataires et des commerçants. Oui, j'entends les commerçants, j'entends la difficulté des commerçants.
Et je pense qu'il faut activer un maximum d'aide, essayer de récupérer un maximum de fonds. Qui ces fonds, de toute façon, seront à rembourser d'une façon ou d'une autre, ou à payer d'une façon ou d'une autre, par nous tous. C'est une réalité. Mais faire en sorte, à mon avis, de régler, dans la mesure du possible, ou en tout cas de négocier avec son propriétaire, le paiement des loyers. Je pense que c'est un vrai accord entre le propriétaire bailleur et l'entreprise. Et je tiens, alors il y a une initiative, il y en a peut-être d'autres, mais j'ai vu en tout cas deux initiatives. Inovista, qui a, je crois, je ne sais plus si il a donné une suppression ou alors un report automatisé. Mais en tout cas, je sais que Vincent, avec ses équipes, a fait un boulot colossal. J'ai aussi, alors, comme nous avons une start-up qui est au village Baïséa, il n'y a rien à dire. Le village Baïséa a immédiatement suspendu l'ensemble des coûts liés. Voilà. Mais c'est. Voilà, là, je vous ai donné deux exemples de structures spécifiques. Je reviens à ce petit propriétaire qui a travaillé toute sa vie, qui a créé un commerce, deux commerces pour vivre. Et voilà, enfin, comment, voilà, je me vois mal, en tout cas, comment lui demander de mettre une croix, de mettre une croix sur les loyers perçus. Donc c'est un peu, voilà, on a fait un peu le tour. 13h29, je vois chez moi, donc en termes de timing, on n'est pas très loin. Peut-être que Plutôt j'oublie. bien. Je réinsiste. Si Abdoulaye, si tu pouvais mettre le lien concernant les aides régionales, je ne sais plus, là, je ne l'ai plus sur mon ordi, mais ça serait bien que tu mettes ce lien, où les personnes peuvent créer un compte sur Région Réunion. Les demandes sont dématérialisées. Les demandes au niveau du chèque numérique. Chèque numérique, s'il vous plaît, chèque numérique. Tous les commerçants, allez-y. 4 000 euros subventionnés à hauteur de 3 200 euros. Il y a un petit dossier à faire, un petit entretien, rien de bien compliqué. Moi, je vous dis, allez-y. Allez-y. Anticipez. Ne soyez pas attentiste. Anticipez. Le digital est là. Ce n'est pas demain qu'il sera là. Le digital est là. Votre présence numérique est nécessaire. Si vous voulez sortir des difficultés, c'est une absolue nécessité. Donc moi je dis, il y a des dispositifs, profitez-en. Moi je dis, il faut en profiter. Philosophiquement, de toute façon, ce sont des aides qui, à un moment donné, vont nous coûter, à tous. Donc il faut que chacun aujourd'hui préserve son entreprise pour qu'on puisse retrouver un peu de croissance, pour qu'on puisse. Là, je m'écarte, hein, des débats philosophiques, du changement, des changements de paradigme. Hein, pardon, mais je suis très terre à terre là. Voilà. Profitons de ces aides. Le mot profiter peut-être est négatif, a une connotation négative, mais en tout cas, utilisons les dispositifs qui sont mis à notre disposition. Arrêtons d'être inquiets. Voilà. En tout cas, sur cet aspect dispositif, il y a aujourd'hui, j'ai trouvé chez les experts comptables une aide. Voilà. Les organisations patronales, je reçois 3 mails par jour de CPME, 3 mails par jour du MEDEF. Ils sont là. Tout le monde est sur le pont. Je vois des mails de Digital Réunion. Je vois tout le monde est là. Alors là où, et c'est pour ça que je voudrais pas trop m'étendre non plus, parce que je vous ai donné une forme de fusée assez simple. J'aimerais que vous gardiez cette notion de fusée avec report de charges, report des échéances bancaires, activité partielle pour vos salariés, puis derrière. Financement, donc BPI, enfin PGE, BPI avec votre partenaire bancaire. Puis après, les fonds de soutien, le fonds de soutien national 1500, le fonds de soutien régional qui peut s'étendre jusqu'à 5000 si vous êtes éligible à un certain nombre de choses. Voilà un petit peu ce qu'il y a. Alors, pour les indépendants, il y a même une aide à 1250 euros
qui devrait arriver de façon assez automatisée. En tout cas, j'ai reçu un mail, donc a priori, ça devrait fonctionner. Et les dispositifs type chèque numérique, voilà, enfin, allez-y, n'ayons plus peur, en tout cas, d'un point de vue économique. On ne peut pas prédire l'avenir, mais en tout cas, on peut le préparer. Soyez dans l'anticipation, mais en tout cas, c'est le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Bah écoute, merci beaucoup Mohamed Razar. Donc on a dépassé de quelques petites minutes, hein, rien de bien méchant. En tout cas, merci à tout le monde pour avoir réagi, avoir posé des questions très pertinentes. Ça a permis de bien rythmer ce débat, cette intervention de Mohamed Raza. Merci à toi. Comment tu as trouvé cette heure et demie passée avec toutes ces personnes-là? Alors, j'arrive pas à me rendre compte qu'on a passé 1 heure et demie déjà. Si la seule chose que je Si me on a rends regardé compte, un film ensemble, là. c'est que ma gorge elle est un peu sèche et que le carême s'arrête dans encore quelques heures. Donc Ouais, je viens de voilà. détester, là. Mais je t'ai pas fait faire du sport alors que normalement dans le format classique, tu devrais faire du sport. En tout cas, c'est un vrai plaisir Sera une prochaine fois, d'échanger avec toi, d'échanger avec les spectateurs. Je sais que tu vas mettre la vidéo, un replay, je pense, à disposition. Oui, puis je vais la repartager sur YouTube et sur LinkedIn aussi. Néanmoins, ceux qui ont besoin de conseils un peu plus poussés, d'aide, une question, j'essaye du mieux que je peux. Je reste un être humain. Je ne Merci suis pour pas cette un dose de robot. toi. Souvent, on me dit sur. Souvent, les gens me disent sur LinkedIn, tu vas là, tu attends de contact, comment tu fais? On pourrait parler du sujet de l'industrialisation, de l'industrialisation de la relation client, etc. Mais c'est un autre débat. J'essaierai de répondre au mieux pour ceux qui ont mon numéro, ils peuvent me contacter. Pour ceux qui ont mon contact Facebook, peuvent le faire. Si des questions passent par toi, Abdoulaye, n'hésite pas à me les remonter. On Bien. essaiera de répondre au mieux parce que on est tous sur le même navire. On est tous, alors je vais être un peu plus philosophique pour le coup, on est tous des êtres humains. On est tous une famille. Et ça ne sert à rien, en fait, et cette pandémie le montre, ça ne sert à rien d'être individualiste. On est collectif, on doit jouer collectif. Voilà, je pense que c'est nécessaire. Yes, on est tous co-connectés. Il y a Ramata Touré qui nous a Exactement. rejoint, William Bruno et Victor Varro. Bon, vous arrivez un petit peu en fin d'émission, mais vous pourrez regarder le replay, il n'y a aucun problème. Dans quelques minutes, ça sera disponible. Et puis, Mamadou Raza, pour te faire le feedback aussi, puisqu'il y a pas mal de gens qui ont réagi à toute cette intervention. Donc, pour clôturer, il y a Johanna qui dit merci beaucoup, Salima qui dit merci pour les connaissances et le dynamisme du live. Rizwan qui dit super instructif avec le petit émoticône des mains comme ça. Yannick Duguin qui dit merci à vous deux. Cool Price qui dit merci à vous et à Mahmoud Raza. Voilà, il y a Younous Taki qui dit bravo les gars avec petit applaudissement. Robin Desbois, merci à toi pour ton interaction qui dit merci beaucoup. Voilà, Zaïda Taki qui dit merci Mahmoud Raza et Ramata qui dit bravo même si elle arrive à la fin. Voilà, et même toi, tu nous remercies. Génial. À très bientôt tout le monde. En tout cas, je À te bientôt. remercie, Mamad Raza. On se retrouvera pour une prochaine émission, probablement. À très bientôt. Voilà, ben merci beaucoup. C'était l'intervention de Mamad Raza par rapport à le contexte actuel, par rapport au contexte actuel spécial Covid-19. La reprise, c'est le 11 mai, donc on tenait absolument à faire cette émission ben aujourd'hui, en tout cas dans les plus rapides délais, puisque du coup l'émission, elle a pu se faire donc 3 jours avant la reprise. C'était l'objectif voulu. On vous remercie pour tout, vraiment, c'est génial. Et même si Assad, tu arrives à la fin, il y a le replay, t'inquiète pas. Et merci Camille qui nous remercie et remercie Mahmoud Raza. Donc à très bientôt tout le monde pour une nouvelle émission. Avec un format comme d'habitude, avec le sports game, comme vous avez l'habitude de me voir faire ça.
À très bientôt. Jingle.